Bonjour mes amis, mais vous voyez, mon mari est derrière. Des amis sont venus avec une grosse bouteille de champagne. Nous partons à Nantes, mais j'en profite quand même pour vous faire une vidéo pour vous montrer un produit qui peut être très très efficace pour vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et encore une très belle année 2013. Je suis sûre que 2013 va nous porter chance. C'est mon petit doigt qui me l'a dit. Bonne journée à vous tous. Donc je vous parle d'une découverte que j'ai faite. C'est la Baby Cream de chez Herborian, mais celle-ci, elle est pour les yeux. Je ne sais pas si elle est sortie depuis longtemps, mais en tout cas, je n'en ai entendu parler qu'au début du mois de décembre. Et connaissant la Baby Cream Herborian pour le visage, que j'adore, j'ai eu envie de découvrir celle-là. Alors l'avantage d'une baby cream pour le tour des yeux, c'est qu'elle va hydrater tout le tour de l'œil, parce qu'on a souvent la peau très sèche ici, donc qui marque encore plus. Elle va dissimuler effectivement les imperfections, les différentes petites marques plus claires ou plus foncées, des toutes petites taches que nous avons en dessous de la paupière et sur le dessus de la paupière qui est souvent, plus on vieillit, plus on a des coloris qui se... La peau qui n'a plus du tout la même couleur. Par exemple, moi j'ai des taches de vitiligo qui se... Vous voyez, elles sont là et elles sont là. Donc j'ai toujours eu les paupières très blanches. Bon, quand on se maquille, il n'y a pas de problème. Si je me démaquille, si je me maquille pas, ça se voit tout de suite. Donc ça c'est excellent aussi pour justement dissimuler ça. Alors quand on a de grandes cernes, parce que l'avantage aussi c'est de dissimuler les cernes. Quand on a des cernes comme j'ai, légères on va dire quand même, il n'y a aucun problème, c'est génial. Si on a des cernes très prononcées dans des violets ou marron ou noir, effectivement ça va être juste pour les dissimuler. Par contre si on a simplement le regard fatigué, soit parce que effectivement on s'est couché tard, ou soit parce qu'avec l'âge le regard reste fatigué, eh bien je vous assure que c'est super. Donc là j'ai mis juste un petit peu de crème et c'est bien de retrouver quand même une meilleure mine parce qu'avec les fêtes, moi c'est pas parce que j'ai fait trop d'excès, mais c'est simplement parce que j'ai une bonne grippe intestinale, eh bien le teint était complètement brouillé. Alors là, c'est quand on est comme ça ou quand on surcharge son estomac, son foie, enfin tout ce qui est interne, et je laisse au médecin parler de tout ça, mais c'est là qu'on se rend compte qu'effectivement la peau, les ongles et les cheveux sont vraiment le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps. Donc pour faire clair, on récupère notre mine, on se démaquille très bien, on fait attention effectivement à faire des masques régulièrement, moi c'est ce que j'ai fait. Et j'attaque une cure de sérum pour effectivement passer l'hiver en meilleure forme au niveau de la peau. Donc je prends un tout petit peu de cette crème. Il n'existe qu'une teinte. Quand on la voit comme ça, elle fait très grise. Mais quand on l'étale sur ses paupières, elle a, si vous voulez, dans sa composition, des principes qui floutent. Alors, ne me demandez pas, au point de vue chimie, lesquels ce sont, parce que franchement, je ne suis pas du tout spécialiste de l'élaboration des crèmes. Mais en tout cas, il y a quand même des principes qui font que, à la lumière, les imperfections vont être floutées. Par magie, peut-être. Eh oui. Donc vous voyez quand même, on voit la différence. C'est vraiment flagrant. Et je n'en ai pas mis beaucoup. Donc si j'en remets un petit peu plus, allez, je travaille bien mon cerne. Je vais bien là, et puis je peux le faire. Parce que l'anticerne, à mon âge, ça dessèche le tour de la peau comme ça. Et ça marque les rides. J'ai l'impression d'avoir le regard plus ridé quand je mets l'anticerne. Eh bien, ça me réconcilie. Parce qu'effectivement, ce produit-là ne marque pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout, mes rides.
Donc ça, c'est vraiment un excellent produit. Moi, je sais que je suis très, très, très contente de ce produit-là. Voyez? Bon, évidemment, il faut que je mette de la poudre, il faut que je me maquille, il faut que je me fasse les cils, il faut que je remette des couleurs. Mais voyez quand même, la paupière est bien dissimulée, c'est mieux. Et je vous assure qu'il y a un confort vraiment qui tient toute la journée. Moi, je sais que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Herborian, pour le tour des yeux, la baby cream. Mais si vous avez des cernes très, très prononcées, elle ne dissimulera pas les cernes. Mais j'ai des astuces pour ça. Donc, je vous expliquerai bientôt comment les dissimuler, ces vilaines cernes. Mais en tout cas, c'est un excellent produit. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée en ce début d'année.